On sert pour retirer quelque chose. On se sert au lieu peut-être d'être au service. Moi, ça me rappelle cette parole très forte de Jésus, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et c'est vrai qu'on a là quelque chose qui n'est pas facile à apprendre pour l'être humain. Alors, c'est facile pour nous de mettre le doigt sur Gehazi, mais je crois qu'il nous faut réfléchir à ces moments où notre conscience nous met mal à l'aise, où on essaye de se cacher un petit peu, où on a honte de ce qu'on a pu faire ou de ce qu'on a pu penser, et où finalement on a besoin de ce dialogue avec Dieu, à travers peut-être des hommes de Dieu, et pour prendre les bonnes décisions, prendre les bonnes orientations et pouvoir continuer à avancer dans des vies qui ressemblent à ce que Dieu souhaiterait. Alors, serviteur, oui, c'est peut-être notre vocation à tous. Hein. En tout cas, très souvent, Jésus a dit que on était des serviteurs, voire même des serviteurs inutiles. Hein. Mais voilà, c'est peut-être ce qu'on pourrait retenir de ce Gehazi, un homme qui a eu de bons côtés, mais qui s'est fait prendre. Gehazi fait un choix, et ce choix, c'est de dire, c'est l'argent, soyons clairs. C'est l'argent. C'est l'argent en premier. Dieu et ou puis maman, après, il dira fera Jésus. Le reste. Il suivra son maître. Il suit toujours son maître, mais l'argent. Et nous? Mais il a une garantie, une sécurité derrière. Et nous, dans nos choix, quelles sont nos priorités? Est-ce qu'on n'a pas tendance à faire du Gehazi en disant, mais bon, je fais ça d'abord, et puis après, je fais autre chose. Je me donne des garanties, bien qui sûr, sont des garanties d'abord, humaines. D'abord, parce que bon, voilà, il me faut aussi, voilà, après, là, s'il me reste du temps. Et ça nous fait réfléchir, parce qu'il y a un ratio à faire entre ce que nous réservons pour Dieu et ce que nous réservons pour nous-mêmes. Voilà, ben je crois qu'avec ça, on a une conclusion intéressante à notre entretien de ce soir. Je vous remercie beaucoup à tous et à toutes. Et puis, rendez-vous pour une prochaine. Ok, merci. Merci. Okay. Alors, n'oubliez pas, comme d'habitude, nous envoyer vos remarques à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Quant à nous, nous allons nous retrouver donc la semaine prochaine. Au revoir.